rupture. Court is now in session. L'audience est ouverte. Today the chamber continues to hear the remaining testimony of witness Chun Samon, la déposition de témoin Chun Samon, and begins hearing testimony of a witness et commencera à entendre la déposition de témoin de TCW 917. Le greffe peut-il faire état de la présence des parties et autres personnes à l'audience? Madame la greffière, Monsieur le Président, pour l'audience d'aujourd'hui, toutes les parties au procès sont présentes. Monsieur Nunjia est présent dans la cellule temporaire du sous-sol et renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le document de renonciation a été remis au greffier. The civil party who is to conclude his la testimony civile, today, that is Chun Samon, is sa déposition aujourd'hui. Chun Samon est présent dans le prétoire. Witness, le prochain témoin TCW de TCW 917 confirme que sa connaissance has no relationship by et aucun by lien law de parenté par le sang ou par alliance avec aucun des accusés, Nunchi et Kyu Sampong, ni avec l'une quelconque des parties civiles constituées dans ce dossier. Le témoin a prêté serment devant la statue à la barre de fer hier. And he has Sok Sochita as his duty counsel. Maître Sok Sochita est son avocat permanent. In the waiting room. Thank you. Il se trouve à présent dans la salle d'attente. Je vous remercie. Monsieur le Président, merci Madame la greffière. La Chambre va présent prononcer sur la requête de Nunjia. La Chambre est saisie d'une requête de Nunjia en date du 29 juin 2016. He cannot sit or concentrate for long. Il invoque des maux de dos, des maux de tête, ainsi qu'il a du mal à se concentrer. He requires to waive his right to et be éprouve present des difficultés à rester longtemps assis. Ainsi, pour assurer hearing. Sa participation effective aux futures audiences, having l'intéressé renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire pour l'audience de ce jour. La Chambre a également saisie d'un rapport de médecin traitant des CETC en date du 29 juin 2016. Celui-ci indique que Nunjia souffre de maux de dos et d'étourdissement lorsqu'il reste longtemps assis. Il souffre également d'une légère grippe et nous recommandons à la Chambre de permettre à l'intéressé de suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol. Par ces motifs et en application de la règle 81.5 du règlement intérieur de CETC, la Chambre fait droit à la requête de Nunjia qui pourra ainsi suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol. Par moyen the chairman instructs the AV unit personnel to la lead the proceedings to the room downstairs so that Nunjia can follow pour that applies for the whole day. L'audience toute la journée. And the chamber will issue an oral decision regarding the submission by Kyu Sampong relativement aux observations de la défense de Kyu Sampong sur la portée des purges internes in relation to the hearing of the upcoming witness to TCW 917. L'audition du prochain témoin de TCW 917. La Chambre a été saisie d'une requête urgente du 24 juin 2016 formulée par la défense de Kyu Sampong. C'était une requête en clarification de la portée des purges internes dans le dossier 002-02, document E420. Le 22 juin 2016, la défense de Kyu Sampong a fourni aux parties une copie de courtoisie. The chamber et le 23 juin 2016, la Chambre a notifié les parties qu'elle entendra les observations orales des parties le 27 juin 2016. After having heard the submissions from the party, et entendu les observations des parties, the chamber
La Chambre conclut et que le témoignage proposé du témoin de TCW 917, témoin devant déposé aujourd'hui, relève bien de la portée des purges internes dans le dossier 002/02, ainsi qu'il est prévu dans l'ordonnance de clôture, car ce témoignage contient des éléments importants relatifs aux purges de la zone Est. Procède donc à l'audition du témoin de TCW 917 comme prévu. Troisièmement, les motifs de cette décision seront communiqués en temps opportun. La Chambre donne à présent la parole à l'équipe de défense de Kyusampon pour poursuivre l'interrogatoire de la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Thank you, Mr. President. Good morning, everyone. Bonjour, Monsieur Chun Saman. Good morning, Mr. Chun Saman. Je voudrais continuer les quelques questions qui me restent à vous poser. The remainder of the questions I still have to put to you. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit hier. Follow up on what you said yesterday. Hier, vers 14h19 et 20 secondes, si j'en crois le draft en anglais, vous avez indiqué que vous étiez basé sur la ligne de front et que vous ne saviez pas bien ce qui se passait à l'arrière. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez été basé sur la ligne de front pendant toute la période de 75 à 78 et est-ce que vous pouvez préciser à partir de quand en 75 et can you say as when in 1975? Mr. President, it seems that the headphone of the civil party is not working. Il semblerait que les écouteurs de la partie civile ne marchent pas. Est-ce que le Conseil de la Défense aimerait reposer sa question? Maître Antagissé. Repeated your question veuillez répéter again, votre question. Since civil party is having problem with étant donné the headset. Que la partie civile a des problèmes avec ses écouteurs. Pas de problème, Monsieur le Président. Donc, no problem, Mr. President. Please hold on, Civil party, do you hear me now? Monsieur la partie civile, pouvez-vous m'entendre à présent? No. So it's a civil party. Non, répond la partie civile. Mr. Chun Samon, can you hear me? Monsieur Chun Saman, m'entendez-vous? Apparemment, il peut m'entendre. Maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Donc, la question que je vous posais était de savoir, hier, vous avez indiqué que vous étiez basé sur la ligne de front et je voulais que vous confirmiez ou que vous indiquiez à la Chambre si vous étiez bien sur cette ligne de front depuis 1975 jusqu'à 1978, août 78, le moment où vous avez fui pour le Vietnam. Et est-ce que vous pouvez indiquer à partir de quand, en 1975, vous avez été affecté à cette ligne de front? You were assigned to the front line. I joined in 1975. I was at the border. Lorsque j'ai rejoint les rangs en 1975, j'étais à la frontière. Lorsque les hostilités ont commencé, je suis resté à la frontière.
Donc vous dites jusqu'en 1976, donc so en réalité vous êtes resté à la frontière fact, de 1975 à 1978, le moment où vous avez fui pour le Vietnam. Est-ce que je comprends bien votre déposition? Do I properly understand your testimony? I was at the front matter field during 1976 and 1977. En 1976 et 1977, par la suite, il y a eu des problèmes et j'ai fui pour le Vietnam. Donc pendant la période de 75 à août 1978, au moment où vous avez fui vers le Vietnam, à quelle fréquence est-ce que vous retourniez à l'arrière si vous y retourniez? How regularly did you go back to the rear, if you did go back to the rear? I never reached the real rear battlefield. Je ne suis jamais vraiment retourné à l'arrière. Retreat a little bit from the front battlefield, parfois, but je me repliais légèrement was never completely par rapport detached au front, from the front mais je n'étais pas totalement due to the intense situation détaché at the du border front de bataille between Vietnam vu and les tensions Cambodia. Qui existaient au front, entre, à la frontière, pardon, entre le Cambodge et le Vietnam. Hier, vous avez évoqué... Yesterday, le programme d'échange entre le Vietnam et le Cambodge en ce qui concerne leurs ressortissants, c'était avec M. le juge Lavergne. Je voudrais savoir quand vous avez entendu parler de ce programme d'échange pour la première fois. When you heard about that program of exchange or swapping for the first time. Regarding the exchange program between Khmer and Vietnam, it started in 1975, that is after the day of the liberation. Le Cambodge et le Vietnam a commencé we exchanged après 1975, for the first time à partir at du jour de la district in libération. Province. Nous avons effectué l'échange pour la première fois dans le district de Kampong Ro, dans la province de Svarieng. Ma question était un petit peu différente. Je voulais savoir quand vous en avez different. Entendu parler pour la première when fois. When you heard about the exchange program for the first time. It was in 1975, that is the c'était year the country was liberated, or you could say after 17 April 1975. Ou plutôt après le 17 avril 1975. Et quand vous en avez entendu parler, vous étiez déjà sur la ligne de front. And when you heard about it for the first time, were you already on the front line? Please observe the microphone. Monsieur de la partie civile veut attendre que le microphone soit allumé. No, et réponse time, non. Did not go to the front battlefield à l'époque, yet. Je n'avais pas encore été affecté sur la ligne de front. Est-ce que ça peut vous aider pour situer un petit peu le mois would it assist au you cours duquel vous en avez to entendu situate parler the month, when you heard about it for the first time? I knew that it happened not long after the liberation day. Que ça s'est passé un peu avant le jour de la libération. Quand vous dites que ça s'est passé un peu avant le jour de la libération, est-ce que when vous voulez dire que ça s'est passé avant le 17 avril 1975? Day, do you mean it was before the 17th of April 1975? Civil party, please hold on. Le président, monsieur de la partie civile, veuillez attendre l'accusation à la parole. Thank you, Your Honor. This is not an objection, but I think ce there must pas be une a objection, translation issue mais peut-être qu'il y a un problème de traduction. The witness just said it was after, le témoin a dit que c'était après not long after the 17th le 17 avril 1975. Et la question when you said, posée
That the exchanges occurred before était que le programme d'échange s'est fait avant le 17 avril 1915. Peut-être qu'il y a eu un problème d'interprétation, c'était avant et non pas après. C'était après et non pas avant. Effectivement, je confirme, il y a eu un problème en français. J'ai entendu avant, mais on va pouvoir clarifier. C'est bien clair que... ce programme d'échange est intervenu un petit peu après le 17 avril 1975. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Est-ce que vous avez eu connaissance de la manière dont ce programme a été négocié et entre qui et qui il y a eu cette négociation? Est-ce que vous avez appris cela? Which parties those negotiations were held? Did you know anything about that? Je ne connais pas les détails. Je ne savais tout simplement que le programme d'échange existait, mais j'ignorais le processus de négociation, ni si cela s'était passé au niveau district. Je n'ai pas participé à ce programme, mais je savais qu'il en existait un en 1975. Et est-ce que vous savez si des représentants des autorités vietnamiennes sont venus dans votre localité à un moment ou à un autre dans le cadre de ce programme d'échange? There had to be authorities from both sides bien sûr, involved les autorités in the exchange des deux program, camps devaient être impliquées dans ce programme d'échange, bien que j'en ignore les détails. Civil party, please respond to the limit of your knowledge, and if you do not know, please state so, dans les limites des connaissances and don't try que vous avez. To guess it. Si vous ignorez la réponse, dites-le. And ne faites pas de devinettes. En votre qualité de partie civile, vous devez répondre en fonction de ce que vous savez. À propos de la question qui vous est posée, et n'essayez pas de deviner. Donc ma question, elle était un petit peu plus précise, était de savoir si vous, personnellement, vous avez le souvenir, vous avez assisté à la venue de représentants des autorités vietnamiennes dans votre localité. Est-ce que vous les avez vus ou est-ce que vous en avez entendu parler? To your area. Did you hear about it or did you witness it? No, I did not see or know about it. I only heard the people talking about it. J'ai tout simplement entendu les gens en parler. I only heard the people speaking about the exchange. J'ai entendu les gens parler de l'échange. Je vous remercie. Je vais passer à un autre.